La famille. Ah, c'est chou. Ouais, la famille, elle aurait grave. Non, non, c'est le grave. Le mari de Stéphanie. Le mari de Stéphanie Mbida demande le divorce. La famille, qui peut le croire? Ah, tu me demandes qui est Stéphanie Mbida? Ok, donc tu ne la connais pas. D'accord, ok. Donc avant d'aller vraiment sur le vif du sujet, donc je vais essayer un peu de vous rappeler un peu qui est vraiment la dame là en question. Donc en fait, Stéphanie Mbida, donc c'est une Camerounaise, c'est une fervente entrepreneuse, si on peut le dire, je ne sais pas trop, mais pas entrepreneur, oui, avec eux. Bon, donc elle gère la chaîne YouTube Parlons de Business. Donc c'est seulement d'aller sur dans YouTube, taper seulement et Parlons du Business, donc vous allez voir ces vidéos. Donc vraiment c'est une forte dame. C'est vraiment une forte dame, non effectivement. Donc de passage, tout mes respects vraiment à cette dame. Donc c'est vraiment une dame que vraiment j'apprécie beaucoup. Et effectivement, je suis que toi aussi, si tu as cliqué sur cette vidéo, franchement, c'est que vraiment tu aimes vraiment cette dame. Non, effectivement, le travail qu'il fait là-bas, non, c'est pas de là-bas. Comme je le dis, donc c'est une Camerounaise. Donc déjà à l'âge de 9 ans, elle a commencé son aventure entrepreneuriale. Déjà à 17 ans, elle a déjà commencé par gagner ses premiers millions. Ça a été sur sa chaîne. Donc c'est ça. Donc et voilà aujourd'hui. Ah, le scandale s'est éclaté. Les gars, qui peut le croire? La famille lui dit qui peut le croire. Donc c'est ça. Hein. Donc je suis sûr qu'actuellement, tout le monde se dit, mais quelle est la cause vraiment? Quelle est vraiment la cause? Ça, je sais que tout le monde dit seulement que la femme vraiment, elle a trompé son mari avec un homme. Non, les gars, ce n'est pas le cas. Ici, là, la femme a trompé son mari avec le travail. La cause, c'est le travail. Ouais, les gars, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de travail. Si vraiment un jour, vous voulez devenir comme cette dame-là, les gars, la crise, c'est le travail. La dame, c'est vraiment une bosseuse. Non, la dame-là, vraiment, je l'adore. Non, très beaucoup. Mais moi, de temps en temps, bon, si moi je veux suivre vraiment dans une vidéo, directement chez elle, moi je vais sur sa chaîne là-bas. Voilà, donc la famille, donc c'est vraiment c'est une chaîne exemplaire. Hein. Voilà, donc vraiment, on dit souvent les gens qui disent qu'il y a certaines chaînes là, ce n'est pas bon, mais les gars, si vous voulez vraiment une bonne chaîne à suivre, là, si vraiment vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez plus évoluer là, pour suivre cette dame là, c'est une bonne dame, c'est une bonne chaîne. Donc comme je l'ai dit, la dame n'a jamais trompé son mari. Hein. Non, c'est le travail. Juste, je veux vous appeler vraiment, je vous exhorte vraiment à beaucoup de travail. Voilà, que la vie ce n'est pas facile, vous voyez, donc la clé de la vie. La détermination, la persévérance. Comme vous le savez, la vie, pour vous évoluer, chacun a un objectif dans la vie. Donc pour atteindre l'objectif, ce n'est pas facile. Donc il y a des hauts et des bas. Ouais, donc vraiment il faut la détermination, il faut la persévérance, hein, ne jamais abandonner les gars, ne pas give up. Vous voyez, donc, souvent comme on le dit, la vie n'est pas linéaire. Hein? La vie n'est pas linéaire les gars, on l'ajuste au fur et à mesure qu'on évolue. Donc les gars, je vous encourage vraiment à bosser du jamais baisser les bras. Si vraiment vous voulez devenir comme Madame Stéphanie Mbida, les gars, c'est le travail. Donc comme le savez, bon, étant vraiment un homme, étant vraiment à la place de son mari là. Ah, vous serez un peu mécontent parce que la dame vraiment chaque temps elle n'est pas vraiment à la maison. Non, pas parce que c'est une bonne bosseuse, vous voyez un peu non. Mais ici là, juste que je vous appelle vraiment pour un travail. Comme elle les gars, vous voyez non. Ouais, et aussi là, ceux qui suivent la chaîne Parlons de Business et ne sont jamais abonnés là. Il est temps maintenant à la famille. Il faut aller là-bas. Abonnez-vous à sa chaîne. Parlons de Business. Hein? C'est une chaîne africaine, les gars. Hein? Abonnez-vous. Hein? Et après, maintenant, revenez maintenant sur ma chaîne. Abonnez-vous également ici. Car ici, là. Nous aussi, on ne vient pas ici. Vous voyez, non. Donc, sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage, du développement, de l'investissement, bref, de l'agribusiness. Donc comme vous pouvez le constater, le nom de la chaîne c'est Edino Agro Business. Moi-même je suis un ingénieur agronome. Donc comme mon grand frère Taragui. Taragui du Bénin. Donc sur la chaîne également c'est ça. Donc ici c'est nous montrons les techniques, les astuces, les bonnes pratiques agricoles à adopter
pour gagner plus d'argent. Ouais, non, ici, là, nous aussi, c'est le secteur agricole. Ouais, non. Donc, si vraiment vous voulez améliorer vos finances, en s'impliquant sur le secteur agricole, si vous voulez vraiment entreprendre pour vite évoluer, vous voulez une valeur ajoutée dans votre vie, les gars, vous êtes sur la bonne chose. Allez s'abonner, les gars, et activez la cloche pour ne jamais rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur la famille, on se dit ciao, et bien, ciao, bye.